Note d'observation. Le virus G a en fait été découvert 21 ans après l'administration du premier virus primogénitor. Le parasite prototype, envoyé par un laboratoire français, avait été administré au spécimen témoin. Ce dernier avait accepté le parasite sans manifester aucun signe de rejet. Cette absence de réaction était restée un mystère pour tous. Mais maintenant, j'ai compris. Le parasite prototype est resté en incubation dans le corps du spécimen pendant 21 ans. Au bout de cette période, le prototype a subi une mutation soudaine. Le terme « évolution » serait peut-être plus juste. Cette observation a donné à mes recherches une nouvelle perspective. Après des tests et des modifications supplémentaires, j'ai réussi à mettre au point une méthode permettant de créer un G dont les performances surpassent celles du T. Cette découverte va bouleverser à tout jamais l'avenir des armes biologiquement modifiées. Je suis impatient de voir la sale tête d'Alexia lorsque j'annoncerai les conclusions de mes recherches. Malheureusement, il va me falloir plusieurs années avant de pouvoir corroborer totalement les résultats. William Birkin.